Yo la team, nouvelle vidéo, grosse vidéo. Ce soir, je vais manger 50 Smash Burgers. Combien ? Oui, oui, j'ai bien dit 50 Smash Burgers. Le meilleur Smash de Paris. Vous êtes prêts ? Parce que moi, oui. Let's go ! Amis, c'est parti, 50 Smash Burgers. Ça fait beaucoup là, non? C'est vraiment un taré, un malade, un psychopathe, un alien, un fou. C'était un fou. Et bon, en même temps, c'est le restaurant Buns, l'un des restaurants coup de cœur. Pour moi, le meilleur Smash Burger de Paris. Je l'ai découvert à l'époque, il y a plus de 5-6 ans, au début de ma chaîne. On a fait ensemble plusieurs vidéos, à savoir le burger à 20 steaks, les pyramides de burgers. Récemment, au Buns de Vannes, en Bretagne, on a fait une battle d'abonnés. Tous 1 vs 1. C'est vraiment cool. Il y a même carrément Rudolph qui a participé. Donc c'était vraiment un bon délire, un beau match. Et franchement, ils avaient tous bien mangé. Pour rappel, un bon Smash Burger, c'est un bon pain, bien brioché, un peu sucré, des potato buns, comme ici, un steak smashé, un patty, 1, 2, 3, 4, selon la finesse de la viande, il faut mettre plusieurs, du cheddar, et si possible, affiné, une bonne sauce maison, et un peu de pickles, salade, tomates, selon vos goûts et vos envies. Chacun ses goûts. Et moi pour le coup, chez Buns, il y a 8 burgers à la carte. J'ai pris mon préféré, à savoir le hot sriracha, un peu piquant. Car très franchement, niveau carte, il y a l'embarras du choix. Et moi, je kiffe. Parmi le Smash Buns classique, donc le hot sriracha, le barbecue, le cheese, le halloumi, donc burger veggie. Autre chose. Le crispy chicken, le all-in avec du bacon et tout, ainsi que le falafel. J'en peux parce que... Bref, hot sriracha, dedans, il y a quoi? Buns brioché maison, steak charolais de 90 grammes, cheddar maturé, jalapeno, c'est pour être un peu piquant, et une sauce sriracha mayo maison. Franchement, 1, 2, 3, 4, 5, easy, 10, 20, 30, why not? Mais 50. Je ne comprends pas. Franchement, ça va être très chaud. Quelle heure est-il? 20h53. Oula, là, je mange tard pour une fois. Hein. Un Smash Burger fait environ 220 grammes. Ça fait 11 kilos. 11 kilos de bouffe. Pourquoi faire? Bref, on prend lequel? On prend celui-là. Ouf, que c'est beau. C'est de toute beauté. Ce pain-là. Ce beau pain-là. Bien brioché. Un peu sucré. Pour info, tout est frais. Tout est frais chez eux. Il est tout frais, mon poisson. Il frétille. Il est tout frais. Ouais, on goûte. Bah très franchement, c'est superbe, incroyable. Franchement, j'ai un mot, c'est... Pas en lusien, mais orgasme. Ah bref, ça fond en bouche, c'est une tuerie. Voilà. C'est une tuerie. À votre avis, je finis pas. Suspense. D'ailleurs, tant que j'y pense, dites-moi en commentaire votre restaurant de burger préféré. Que ça soit à Paris, en banlieue, en province. Et encore une fois, le restaurant le plus cité. J'irai le tester sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. À voir. Bon allez, 20h57, c'est parti pour ce défi. 50 Smash Burger, le meilleur de Paris. Let's go. C'est pas fou. Burger. Franchement là, easy. C'est trop facile. 21h06. Hop, où j'ai mis 10 minutes pour 10 Smash Burgers. En vrai ça va, bonne cadence. Un Smash, une minute. Par contre, leur viande, je l'ai goûté seul, leur steak charolais là. Franchement, de la cuisson, les maîtriser. On voit que c'est très très bien smashé. Regardez-moi ça. C'est ultra fin. Charolais, il a du goût, mais un truc de fou. Incroyable. Wow. Équipe de Buns, chapeau. Cool. En même temps, ça picole bien. Enfin,
À petite dose, ça va, mais x20 là, c'est... Bon, 20, franchement, ça va. Là, par contre, la suite, j'appréhende un peu. Ah, t'es devenu un faible. Non. Bref, quelle heure est-il? 21h17. Ça va, j'ai une bonne cadence. Mais là, maintenant, je vais commencer à ralentir. Tu sais quoi, je vais faire un petit défi, là. Je vais essayer de manger un smash en le moins de gros possible. Ça va être chaud. Allez, un au hasard, devant moi. Un. Deux. Trois. Ouais, bah c'était cool, mais plus jamais. Fais m'étouffer là. Ça, franchement, le faites pas. C'était pour un délire comme ça, pur et dur, mais. Waouh, ça fait mal par contre. Hein. J'ai le chaud, mais. Trois bouchées pour un smash. Maintenant, je prends mon temps. Je vais faire des petites bouchées par-ci par-là. En mode. Mastoni. Non, franchement, c'est chaud. Oui, qui est Marcel? C'est moi-même qui le demande. Tant que j'y pense, un gros big up à Buns Paris 19. Franchement, ils ont géré en 45 minutes de temps à faire 50 smash burgers, les emballer, les envoyer. Très lourd, rien à dire. Respect, force, big up. Quelle heure est-il? 21h28. Oula, j'ai ralenti là. J'ai ralenti. Let's go pour les 20 derniers. Let's go, 31e. Toujours aussi bon. On va voir, je commence à avoir les veines là, rougir un peu. Et bon, que ce soit en foot challenge, pur et dur, ou dans le sport, j'ai une devise, c'est on ne bégaye pas. Et là, plus j'ai parlé, plus je commençais à être en mode stone. Quelle heure est-il? 21h. Mon ventre, 37. Bref, on enchaîne. Dernier. Allez. Fini. Défi réussi. Mais je suis blindé. J'ai chaud. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Non, c'est pas mes soeurs, merci. Okay, merci au restaurant Buns France. Très beau restaurant. Moi, je kiffe. Numéro 1 en smash pour moi. Tenders, top 3 à Paris. Bon, ça. Ça, c'est très très bon. J'aime quand c'est cru, quand c'est cuit. Ça, c'est bon. Ça, c'est du piment d'Espelette. J'adore. Respect à eux, force à eux, big up. Quelle heure est-il? 21h47. Moins d'une heure. Prochain défi avec Buns, je pense que je ferai carrément les buckets de poulet. Mets en commentaire des défis à faire, les restaurants à tester, les défis à faire, les plats à créer. Enfin, je sais pas. Et puis, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous, c'est pas encore le cas. La petite cloche pour activer les notifications. Suivez-moi aussi sur mes réseaux secondaires, à savoir Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok, Discord. Surtout Insta et TikTok, format court, vertical, dynamique. Bref, sur ce, portez-vous bien. Ciao!